Si on a le plaisir de mettre les spectateurs hier l'autre fois encore pour nous rejoindre nous sur Haïti TV dans le magazine sportif ou choisi pour informer sur tout ça qui a rapport à sport en général. Donc pour ça, nous disons merci pour fidélité ou avec patience. Non pas moi, c'est Stéphane Guillaume. Comme d'habitude, moi, à Roody Lormera, présent et fidèle pour nous mener une nouvelle émission sur votre mag pour aujourd'hui. Et bon, vous dites, nous saluons parce que nous connaissons aujourd'hui, on chargé et donc parce que vous faites des déplacements pour aller jouer une sélection nationale. Là. Donc, nous disons bonjour, bonsoir. Et nous saluons Stéphane, nous saluons toutes les fanatiques sur votre mag. C'est un plaisir pour nous retrouver dans notre fond encore sur Haïti TV. Côté que, effectivement, Stéphane, nous terrons dans la concentration de la section haïtienne de football moins de 23 ans. Côté que, monsieur, vous êtes fermé avant match l'Argentine. Non, dès qu'on est que vous avez joué contre l'Argentine, c'est un bel match, c'était ambiance, c'était plaisir. Je suis chance pour me parler à 4 joueurs et en concentration, ça qui n'est pas aussi facile, c'est Van Guillaume, parce que je suis capable de faire un pile mouvement. Et je dis que et Guy, qui était moi-même, c'est Guy qui était allé sur les lieux avec, parce que nous n'avons pas fait Sport Mag ça et dans le studio, nous allons sur les lieux dans l'hôtel là. Et nous gommons, et pour nous jouer un joueur, il n'est pas aussi facile, parce que nous connaissons que c'est un match qui était aussi important, et à cause du passage moi, dans la section ancienne de football, les tontes ont facilité les tâches. Pour nous jouer, monsieur, comme et Wilkins et Aristide, qui c'est Timon Fika, moi t'ai joué Erivo, Zach, moi t'ai joué Andrew Jean-Baptiste, et ensuite, et t'as joué un monsieur, tant que Fabien Vob, qui passait deux présentations, c'est ton journée historique pour moi, je pense que c'est ton bagage historique pour l'émission ça, qui c'est Sport Mag. Eh bien, on dit que vous connaissez Sport Mag, c'est comme ça, vous déplacez à chercher information à côté de l'IA. Donc, comment vous êtes déplacé à jouer une sélection qui était dans cette concentration? Donc, comment ça a été? Bon, ce n'est pas un bail qui est aussi facile, Steph, mais dès que chance font si parler avec toi dans le joueur, alors c'est ça, nous allons inviter tout fanatique Haïti TV, regardez cette interview. Alors, Wilkins, Nabdou, bonsoir. Parlez-moi qui est-ce qui est Wilkins, côté Wilkins aussi, dans qui équipe l'a joué? Juste avant, Mabdi, bonsoir à tout le monde, tous les téléspectateurs. Cap garder moi et vite au capitaine de Aristide Wilkins. Et moi même c'est Yon Kabwa, moi sorti dans une zone qui est le Camp Louise, et m'a joué dans un club qui est le FICA, et même j'aime capable dire le club qui champion plus soit dans championnat national nous hein, et en Haïti, et c'est arrière droit sélection nationale là. Moi je comme arrière droit pour équipe FICA, moi je libéré au central et puis me joue comme médian défensif à la fois. Des fois elle gagne on faille dans Rosslan et puis me toujours le combien vide là. Et moi me fait dans famille qui gagne et trois petits garçons. Moi ma papa m'a vivre même côté, papa actuellement là vive États-Unis. Et moi me dépassage tout avec sélection hein. États-Unis là me retourner à Haïti, elle fait travail moi avec FICA. Et puis tout et qui ça encore me capable dire. Et bon, bien que vous avez vous dit, mais Wilkins, est-ce que c'est la première sélection? Depuis combien de temps vous avez joué dans la section? Est-ce qu'on a fait la section U15? Qui j'en fait arriver dans la section de 23 ans? Et nous n'avons pas de chance pour nous faire la sélection U15, ni U17, ni U20. Mais nous avons une chance pour nous faire U23. Et puis, tout, à plusieurs fois, vous convoquez nous dans la liste senior A, sélection A. Et nous n'avons pas de chance pour nous retenir. Je suis dans la Coupe América, nous avons dans la liste 40 personnes. Nous n'avons pas de chance pour nous capable retenir parmi les 23 nominés. Et puis, nous avons une sélection qui a joué Gold Cup dans les États-Unis. Et nous avons dans la groupe qui a 35 personnes. Nous n'avons pas de chance pour nous retenir. Maintenant, les 23 là, nous avons une chance pour nous participer, pour nous jouer ensemble avec la sélection argentine et d'ici demain soir. Et nous avons dit tout le monde et être confiant dans l'équipe et croire dans l'équipe par nous. Et puis, tout. Wilkins soit le bal le meilleur de lui-même pour le capable de faire un bon match. Alors Wilkins, qui ça représente pour vous et étant que censé ses premières sélections ou vient dans la section de 23 ans et pour pouvoir jouer contre une grosse équipe comme ça, meilleure équipe qui gagne en Amérique du Sud là, qui c'est et sélection Argentine, qui ça représente pour vous ou pour jouer contre l'Argentine? Bon, en gros, je suis capable de dire ça représente un gros bagage pour moi-même parce que dans la carrière football. Et un footballeur, c'est jouer match ça, et oui, c'est juste pour capable et niveau que vous gagnez dans le football là, surtout nous même nous avons joué en Haïti. Et ça veut dire un peu le bagage pour moi, et nous allons prouver nous, et nous même en Haïti, les mêmes nous avons joué en Haïti, nous avons talent et nous avons capacité pour nous jouer et pour nous faire les meilleurs de nous mêmes.
Tout à fait. Alors Wilkins, le dernier bagage on dit pour la Sika Haiti TV yo, moun ki pa konnen Wilkins et qui sont ka di d'ailleurs pour l'autre jeune tout cap gado qui ta remen nan place Wilkins qui sont ka di jeune ça qui remen football la même javo. Alors ou font preuve de grandeur quand même Wilkins, malgré pas jamais font qu'une section jeune ou toujours continuer bataille ou pas jamais décourager mais jodi on fait section moins de 23 ans ou pas jouer contre l'Argentine qui ça et qui message ka voye pour jeune cap gado jeune jodi à Wilkins. Et message nan pa l'autre bagage c'est quoi notre travail bay tête non discipline éviter un paquet l'autre bagaille et puis n'après toute bagaille facile pour nous même les bagailles difficiles toujours continuer sous même lancer toujours travail et puis tout un gros coup de chapeau pour fanatique fika tout toujours foyer supporter qui toujours dire en aller Aristide c'est un bon joueur nous capable nous faire plus toujours moi même promettre nous que nous pas prendre et même tout sélection fan sélection nationale yo promettre nous que nous pas prendre et d'ici dans 2 ans encore et nous ca retrouver A ou bien dans l'autre semaine encore nous ca retrouver sélection A et n'a prouver nous pour faire le meilleur de nous même parce que toute sa génération passée pas de faire nous même nous promettre yo ken ka ken ka fè nou menm paske nou kapab nou gen talent la kay nou. Nous sommes de retour et takoun désil déjà nous t'apprend le parler et avec un deuxième joueur alors nous gen deux on avait nous là nous gen Zack nous gen Andrew maintenant nous avec Andrew et deux monsieur Sao qui c'est haïtien mais est capable comprendre qui pas parler bon créole là et dès Sao et yo parle anglais alors nous pral fait si connaissance avec Andrew nous pral connait qu'est-ce qui Andrew alors c'est objectif nous c'est ça nous besoin même pour nous connait qui est-ce qui joueur haïtien yo et Andrew et good afternoon this is a pleasure you live in Haiti TV et this is Sport Mag. This is the name of the show, Sport Mag, where we try to reach out to our young players. We try to let the Haitian people know them and what they're doing, where they're coming from. They can know about you know our Haitian player because we have that big problem where people don't know their own players. Yeah. So we're just gonna let you know the Haitian people, the people who's watching at you right now on IT TV. Who is Andrew? Where Andrew coming from? Which team are you playing? Andrew Jean-Baptiste, I was in the MLS in Spain and now I'm moving to Nykoping in Sweden. Okay, so you said you were in the MLS and which team you were playing in the MLS? I was at Portland Timbers, Chivas USA and New York Red Bulls. New York Red Bulls, now you said you were in Spain too? I was in Spain at Alcalá de Guadaíra and Estrella San Agustín, mm-hmm. Those are the two teams and now Nykoping in Sweden. So what, do you speak Spanish? Yeah, I love good though. Poquito. Yeah. Andrew, you said you seems like a player who have a lot of experience. You used to play in the MLS, you play in Spain, and then now you playing in Sweden. So which position you play? You know, what you forward? You midfield? Which position? Because you're a big guy, Andrew. I play center back. Anywhere in defense, and in Spain I've had a few games in midfield, defensive mid. So I like to keep my positions open. You know. Open. So what is your strength? Speed, one-on-one taking, organizing a back line, and tactics, and passing the ball out of the back. So that's your first time in the national team because I used to play for the national team as well, and I watch the national team a lot. This is the first time I'm seeing you, and this is your first call for the national team? No, I was with them in the Gold Cup. I was with them in the Gold Cup, and after that, then I hadn't got called in Then I got called in again when we played against Jamaica, and Grenada, and then now I'm here with the Olympic squad, hoping to get some friendlies in. That's good. So how is your career? So how you communicate with your own player? Because I know a few of them probably speak English, but not all of them. How is your career so far? No more. What you know? Tell me something you know in Creole for the people who's looking at you right now. Oof, that's hard. It depends what you want me to say. Says comment ouye. Say like how are you guys? What you guys doing? Comment ouye? Sakafe. So yeah, that's good. Andrew, we're not gonna keep you that long because I know you're going to practice. If you wanna say something to the youngest who's looking at you right now, what's gonna be? Work hard, don't ever stop. It's football's our life, and if you really want it, you go out there and get it. Don't let anybody stop you from keeping you from reaching your goals. All right. Thank you so much, Andrew. Ça c'était Andrew. Nous te gagnons avec sur ITV maintenant et on va avoir Isaac. Zack, et good afternoon. This is a pleasure to receive you on ITV. This is Sport Mag.
Where is Zach coming from? Who is Zach? Where is Zach playing? And I don't know if you can talk a little bit about yourself for the, you know, for our Asian, you know, people who's looking right now, and then they can know who is Zach, where is Zach coming from? Yeah, I'm a Haitian Japanese player. I play for the New England Revolution, and I've been there for my whole life, and I started my career there. So, What make you choose to play, you know, for the national team? Because I know you, Zach. I saw you a couple of times playing for the national team. What make you, you know, technically choose to play for the national team when I believe, from what I heard, you could, you know, have a chance to play for the U.S. national team? I mean, it's still I'm still young for me. I'm just here. It's a no-brainer to me to play for the youth team. And it's always an honor when you can represent a national team. And Haiti's always treated me well. So I'm here and trying to get experience with them and have a good time with the guys. So I've been here for a while and I'm enjoying it. So what does that mean for you today, Zach? So you're going to play against a powerful team like Argentina, even if it's friendly. But what does that mean for you as a young player, you're going to play against Argentina? Yeah, just because it says it's a friendly doesn't mean we're not going to go out and play hard. You know, just one of those games where you have to show the coach why you should be on the field and give the fans a good game. And I know Haiti, I still think this is a big game for us, even though it's a friendly, and we're going to go out there and try to win. So, Zach, for, you know, people who's watching right now, they don't know which position Zach play. You can tell them which position, what is your strength, you know, and tell them a little bit about you. I'm a center mid. I feel like I'm a technical player. I like passing the ball, keeping the ball on the ground, keeping moving. And I play both sides, defensively and attackingly, so. So what is you know, what do you talk with the coach? Because I know he's a French coach. He's probably the first time he's gonna be coaching you. How do you like you know, the way he's, you know, tactical, the way he put you on the field, Patrice Neveu? I mean, the coach, he knows what he's doing. So, I mean, we have a good team out there, and he knows the players more well than I do, and I'm just, my job is just to go out there and play my game, not worry about his decision. That's good. So if you want to say something, you know, for the young Haitian player who's looking at you right now, and as a good example, because, you know, you could choose to play for another country, you choose to play for Haiti, even, you know, what's going on in the country, you know, that's make me proud having you today, you choose to play for our country. What you could say to the youngest who's listening right now, who's watching right now, you know, if they don't want to play for Haiti, what you could tell them, you know, to motivate them to choose or to play for our national team? I mean, whenever you have an option to play for a national team, it's always a blessing. So don't take stuff for granted. I mean, keep dreaming and just keep pushing for more. And Haiti's a great country to play for, and they'll love you and they'll support you, and they always have your back. So wherever you are, wherever you decide to play, I mean, it's always good to have options, but don't settle for anything less, you know. So, Andrew, before I let you go, what is your Zach, what is your Creole? So, yeah, I was asking Andrew the same question. I just want to ask you very quick, because I know I saw you playing Haiti. I see you hang out more than Andrew in Haiti. What is your Creole? Oui, je parle Creole en Tikal. I was with Campoy before, so he taught me Creole while I was at the ranch, but I'm still learning. You're still learning. So what are you learning so far? What is kind of hard for you in the language? I mean, just having a full-on conversation is obviously hard, but, you know, I'll get there. You'll get there. Thank you so much. This is, you know, that was Zach qui était avec nous là sur ITTV, côté qui nous a fait une interview avec monsieur. Before Zach going, I'm going to ask Zach to do something very quick. This is Sport Mag, and I love to watch it, so. All right. Bon, on dit c'est vraiment trois belles interviews que n'a pas gardé au saute fait là, mais trois belles interviews c'est dans l'lobby on fait oh, ça qui passe. J'ai un bel terrain de football dans l'hôtel là. Est-ce que pas te déplacer à ce terrain, ouais monsieur? Bon, et Steph Kakou et comme sauté là, on connaît jamais mes boules, on connaît jamais mes terrains, on connaît jamais mes équipes nationales. Là, m'batte que t'es seulement dans l'lobby là et tout de suite après m'te fin fait trois interviews ça oh et presque toute équipe là t'es en sauté pour aller sauté rien. M'te guet arrivé sauté rien. C'est là m'te le contrer en football le Kakou monsieur Sakré Fabien Vob. M'te fait un long parler à Fabien Vob. M'bra l'inviter fanatique à ITTV suivre interview ça. Et ça nous avec Fabien Vob qui passait de présentation joueur de la section haïtienne de football, monde qui joue Coupe du Monde déjà pour Haïti.
Alors Fabien, c'est un plaisir même pour nous avoir une vidéo ça sur Haïti TV. Un show côté que nous parler de tout joueur haïtien. Parce que je pense que ce n'est pas possible Fabien pour nous. Pas quel monde qui ça capable jouer au football ou son un monument pour moi-même, pour PIA, qui joue Coupe du Monde déjà pour Haïti. Je me sens que il y a manqué bon importance, il y a manqué bon valeur Fabien. Alors Fabien, pour tout le monde qui a regardé aujourd'hui là, et qui va regarder sur Haïti TV, expliquez-moi un peu qui est-ce qui Fabien, qui ça Fabien fait journée aujourd'hui. Bon, et j'en dis, moi j'ai fait toute classe maintenant dans le football haïtien. Et moi j'ai commencé dans FC Chana, moi j'ai passé dans Ville Athletic Club. Et moi j'ai réussi à jouer Coupe du Monde moins de 17 ans que j'ai joué Corée en 2007 là. Avec des nègres comme Chaléo Junior qui encore une fois lui-même vient rejoindre nous là. Et Meshak Jérôme, Toldo qui est là toi avec nous. Et puis bon, quand il y a là, je vais jouer au PU. Je me fait NASL dans FC Edmonton. Après ça, je suis passé en Suède et quand il y a là, je suis sur la deuxième saison au PU. Donc je suis venu dans le football péruvien et puis je continue avec la carrière. Donc son bel bagage pour moi. Pour vous venez présenter le pays encore pour me faire chance encore parce que pour moi c'est un véritable bonheur. Tout à fait. Alors Fabien, et après, on pense que vous faites bon temps pour apprendre la sélection. Je veux dire, ou de retour en équipe nationale, côté que vous pouvez jouer contre la section argentine de football. Comment vous match de football ça, qui ça match a représenté pour vous en général Fabien? D'ailleurs, vous avez joué en Amérique du Sud, vous avez joué la Coupe Pérou, côté que vous connaissez qui ça l'Argentine représente, vous connaissez qui valeur, qui importance l'Argentine gagne. D'ailleurs, l'Argentine qui classe en première position dans la classement FIFA. Et étant qu'un joueur et de haut niveau qui joue pour tout le monde déjà, qui ça match a représenté pour vous demain contre l'Argentine? Et bon, c'est un match qui est très important puisque bon, nous connaissons que Nagui fait fin de Copa América avec sélection haïtienne. Et donc, il est un peu important pour nous continuer sur lancer de continuer à essayer d'honorer le drapeau. Et l'Argentine, c'est toujours un gros pays qui dit match olympique, qui dit gros sélection. Donc, Nagui a préparé pour les Jeux Olympiques là, donc Nagui n'a pas venu pour y lancer. Et nous-mêmes, bon, c'est tout une belle opportunité pour nous pour nous faire preuve, pour nous montrer que nous avons le football là avec nous. Et son match qui est important aujourd'hui à match en Amérique du Sud et football en Amérique du Sud là c'est un football qui est très compétitif et mon respecter l'Argentine en pile parce que nous même tout nous respecter l'Argentine en pile mais le bagage pour nous peu c'est football lié donc nous pense que nous gagnons tout non mais nous depuis nous abordons des matchs avec sérieux que nous supposons aborder lui et puis respectant consigne de jeu, mettre engagement, mettre volonté, nous sommes supposés faire un bel match demain. Un bel match demain. Alors, et parlez-nous un peu non, de l'expérience en Amérique du Sud, parce que moi-même, dépassé la donne, en Argentine, dans l'équipe Boca, il m'a allé jouer et dans la Coupe Pérou, contre comment le football Pérou vient. Bah, parlez-nous un peu de l'expérience, comment vivre l'expérience et dans la Coupe Pérou, et ensuite, dans quelle équipe exactement où il est, est-ce que titulaire, bah, parlez-nous un peu de vous-même, comment il est dans la Coupe Pérou. Oui, donc, chance pour me commencer. C'est quand même en Amérique du Sud à partir de la saison dernière. Moi, j'ai joué dans l'équipe qui est le CA Manucci, qui est une équipe qui est historique en bas, qui est actuellement là en première position dans le championnat de deuxième division parce que tu es descendu. C'est un monument comme une radio que par exemple tu as joué Violette, tu es descendu. Exactement, son gros équipe. Et donc, moi, j'ai allé là-dedans. Football sud-américain, son fanatique sud-américain, on connaît, c'est des gens qui vivent football là. Son, nous, nous, c'est des gens qui vivent football là, tant qu'on passion, vous comprenez? Donc, ça devient toujours full, toujours chargé média, et moun a parié, moun a mort avec jeu football là. Et donc, c'est tout pour moi une belle expérience, et chance par moi que moi j'ai réussi à faire une belle prestation dans l'équipe là. Moi j'étais titulaire à partir, moi j'ai tout match équipe là net, et à la fin de saison, moi j'étais dans le meilleur 11 là. Et après ça, j'ai eu une opportunité pour me dans un club qui est le Sporting Cristal. Une meilleure équipe qui est l'autre. Exactement, qui a même joué Copa Libertadores. Et bon, il n'y a pas de en accord avec Manucci, puisque contrairement avec Manucci, tu as fini en avril. Donc, le contrairement avec Manucci, il vient finir en avril. Et bon, moi, je suis énervé, puisque il n'y a pas de jeune accord avec Cristal pour te quitter malade. C'est une équipe qui est meilleure d'ailleurs. Exactement, donc j'ai décidé pour m'aller dans l'autre équipe. Et le marché transfert là, tu déjà fait mais pour partir pour première division donc j'ai changé club au sein de deuxième division club moi qu'on y a les Willy Serato et qui bon, sont notre bonne équipe hein? qui sont notre bonne équipe et donc moi avec Negula encore une fois moi titulaire m'a fait saison moi et puis but assez fois ça moi mettez le clause contrat
que moi libre pour moi aller dans un club de choix moi si toute forme d'équipe bon offre, qui vient. Tout à fait. Et à ce qu'il paraît tu as supposé qu'on offre qui t'a venir dans la semaine qui vient d'après représentant là. Donc tout bagage n'a point avec patience et on joue à la fois match demain et puis après ça pour moi partir vers le pays au lundi parce que nèg en compétition toujours championnat du jeu là. Et puis pour nous ça le futur bye et puis pour m'essayer continuer présent pour sélection depuis on fait appel à moi Fabien Vobap là. Toujours là. Alors Fabien nous on fait finale là on pas que beau trop et Fabien pour jeune cap gado et Kounia même parce que faut dire que son vidéo qui pral et de partout et lundi Fabien même qui était il me prête bon ça avant poser dernière question pour tout son rôle pour moi même étant que moi même ancien joueur pays mais qui pas jamais eu chance pour me jouer en face de la Coupe du monde et pour pays d'ailleurs et tonton et jouer Coupe du monde pour Haïti ou faire le tout est-ce que et ce créa c'est la famille pour oublier même non grand plus monde qui a fait ça en blague. Bon, c'est que c'est un honneur pour nous, c'est une chance pour nous tous que nous tous les deux ces deux fois qui réussit présent dans deux fois qu'Haïti joue Coupe du monde là mais Haïti gagne bon quantité de joueurs de football immense. Haïti gagne un pile talent. Bon, c'est que c'est net du coup pour mettre ensemble de commencer par fédération et puis jouer pour quoi notre Dieu parce qu'un pile fois joueur haïtien gagne talent mais il pas quoi notre lui faut que quoi notre Dieu gagne team sur 17 là cap font belle prestation au moment profiter ça lui. Et puis bon, continuez le travail parce que le football là c'est travail lié pour que ça pour Argentin au café et puis nous pas café ou bien pour Jamaïcain au cap monter niveau, Costa Rica monter niveau dans CONCACAF là et nous pas café. Mais et Fabien et ma frère quand pour tout petit, quand on dit ça, mais qui sont pensé que doit faire dans football noir et en Haïti en général pour que nous t'a capable et dans même niveau avec les gens pour te dire la Jamaïque et Trinidad qui monter sérieusement, qui sont pensé étant qu'un monde qui jouait dans football haïtien qui était joué dans violette et avant t'es parti à l'étranger, qui sont pensé qui supposé fait exactement pour au moins d'avoir notre structure, pour d'avoir notre bagage, pour d'avoir compétition à quelque soit équipe et dans zone là, Jamaïque, Trinidad, monter sérieusement. Même bon c'est que tout bas il a commencé de football jeune là, mais là on a fait une politique de jeune bon c'est que faut nous faire le vrai. Ça veut dire que nous avons un problème qui toujours manger sélection, qui toujours manger fédération ou football haïtien en général, c'est à faire de malé faux l'âge là. Est-ce que comment ça veut dire que il y a des fois par exemple il empêcher que des talents qui viennent qui eux même gain l'âge normal là et progresser que pousser et puis en même temps tout dans les récits je viens d'encadrement ça nèg ça gain bon l'âge là faut continuer avec faut pousser avec faut que et staff technique faut fédération patient avec eux parce que le résultat c'est pas du jour au lendemain à junior tout à fait. Le travail à pitié et puis pour nous continuer à monter et puis bon on va regarder mais même dans senior là tout il pas trop tard puisque nous gain Haïti pas jamais gain joueur cap jouer comme ça d'ailleurs pour une fois là histoire que tout pour ça cap jouer d'ailleurs cap jouer dans bon niveau donc si nous mettons structure en place nèg vraiment les vienne jouer dans sélection ils viennent pour défendre pour le pays pour suer tant pour les y a goumer pour club yo. Bon c'est que nous ta doué un football qui améliore qui une meilleure de CONCACAF parce que pas gain raison pour Honduras pour équipe Costa Rica parce Panama que talent là déjà bon c'est ces structures pour nous mettre en place exactement et puis pour un peu le monde investir exactement pour secteur privé exactement investir dans jouer là et ensuite pour capable aller vers l'avant faut jouer football gain oui faut gagner envie jouer faut gagner bagarre dans mais faut timoun qu'à l'école faut madame nous manger et pour moi pour capable jouer et avec tête posée. Alors Fabien me connaît que fatigué ou jouer demain face à l'Argentine. M'a mando pour voir un message pour jeune cap gado kounia men non moun ki joue coupe du monde moun ki passe de présentation maintenant cap jouer en Amérique du Sud pour jeune cap gado kounia men ki message capable pour jeune sa romaine cap gado pour capable motiver pour être capable venir et on l'a Fabien pour être capable aller plus loin même que Fabien qui sont pour moi même son modèle ou pour jeune qui sont modèle pour moi même men et peut-être qui passe dans sélection mais qui pas fait son fait qui joue face en coupe du monde que m'a tout respect qui message gain pour la jeunesse moun cap gado kounia bon m'a dit pas camper nous c'était là j'ai gagné football kounya nous que toute bagarre possible avec entraînement avec volonté et nous c'est des jeunes qui talentueux si nous avons un rêve et poursuivre rêve nous et moi fédération a fait un pile effort malgré que n'a dit toujours des difficultés mais a fait un pile effort pour améliorer et qualité range la qualité entraîneur haïtien qualité football haïtien donc kembe avec football là et puis la blouvre un pelle porte pour nous mais la permettre nous épanouir nous tout et puis vivre rêve nous donc continuer avec football continuer courir sélection
travail pas la guerre. Et Fabien, avant que tu aller vraiment avant que tu aller parce que je pense que vous t'avez dit ça parce que je connais que son les parents accentué en pile sur l'école, me rappelle l'eau pour ta je fasse venir à Coupe du monde ça t'es en pile pas l'appel qui était fait dans pays parce que ou t'es presque fini et yo t'ai fait bagage spécial pour pour t'y aller à l'école là et ensuite parce que me connais soutien dans programme sport études, je pense que si effectivement pas poursuivre avec études ou gagner de bagage ou atteindre dans la vie mais je dis dans pays côté qui parle l'autre langue ou qui t'a pas adapté sérieusement, je pense que éducation et qui est vraiment importante pour les jeunes qui ont gardé là ou Fabien? Oui, non, éducation c'est pas important, mais j'ai une chance. Moi, tout remercier ma maman et famille, même j'ai une chance dans la famille qui était courant pile dans le football, qui était poussé un pile sur le plan sportif, mais qui était poussé un pile sur le plan éducatif. Et moi, j'ai arrivé aujourd'hui de la faire programme sport études et je viens dans la Fermin University qui s'est aidé mon pile parce que tout faut nous mettre ça dans notre football là pas à vie. Il y a des gens comme Messi, des Cristiano qui ont une chance de faire carrière lucrative, qui jouent longtemps tout. Et que peut-être qu'après ça, ils n'ont jamais besoin de lever un livre, travail, faire rien. Mais ce n'est pas nous tous qui avons une chance ça. Et bon Dieu connaît, on joue nos câbles, ils étaient blessés. Et puis quand ils ont une chance, ils n'ont pas joué encore. C'est que notre tête, pas le retour. Exactement. Donc il faut que nous pensions à ça en pile, il faut que nous pensions à futur nous. Et quand même, le football a tout importance que le mérite. Il faut nous accompagner l'école là. Il faut nous accompagner l'école là. À l'issue, arriver dans fini high school nous. Et puis après ça, laisser Sanaka. Si nous voulons retourner à l'université, après football, nous, après carrière, nous prenons pause. Nous, mais arriver dans baccalauréat, fini high school nous, monsieur. Ça, c'est l'entrée de ma sélection. Ok. Les gars là, les gars tranquilles. Les gars travaillent sérieux là. Ça, c'est la sélection de 23 ans. Dans les coachs, chacun a une éducation. Regardez Fabien. Regardez tous les gars là. Regardez Babalito, regardez Fabien. Mon qui joue Coupe du Monde déjà pour Haïti. Bel footballeur comme je viens de la Coupe Pérou. Hein. Voici Fabien qui est de retour en équipe nationale que nous plaignons en pile. Hein. Nous pensions qu'il était supposé aller en Coupe Américaine, mais il n'a pas fait appel à elle. Il a regardé Zach. Zach comme je viens de MLS là. Il a regardé Babalito qui est de retour comme je viens de l'équipe Sibao. Belle avance devant l'éternel qui fait pile, parle en pile tout. Et alors, je pense que nous avons une belle section de 23 ans, même. Belle section de 23 ans, et Fabien, belle athlète. Belle football devant l'éternel. Regardez toute l'équipe nationale là, man. Et vous dites, on est à nos lives, nos sous-pelouses là. Alors, Stéphane Guillaume, qui sont pensé de travail, de sortie samedi faire, ne pas faire dernier chose dans le studio Sport Max, c'est de l'un des sorties qui sont pensé du travail là même. Je pense qu'ils font très bon travail, et je veux vraiment répondre à la question, yo, et vous prenez plaisir dans l'interview que tu as fait, ou je veux le monsieur côté besoin de jeunes, mais faut que je jaloux, parce que la prochaine fois, je vais sortir, je vais chercher Charlie Wall Junior, je vais chercher Babalito, je vais chercher tout le bon monsieur, et puis pour me répondre, parce que je suis pas d'accord avec mon challenge, mais quand même, c'est un bon travail. Stéphane, il va facile, nos amis. Faut que grand monde soit fait travail ça me fait ya. Alors c'est comme ça lié, c'est Sac Sport Magla, c'est là n'a quitté toutes amis, on chose similaire c'est pour la semaine prochaine. Bye bye tout le monde, moi menou en pile. Bye bye Stéphane. À la prochaine, vous êtes en deal déjà. So, see you man. See you man. Yeah man. Yeah man.